Bonjour à tout le monde, c'est toujours Gilmas. Je suis encore dans la joie de vous annoncer une très bonne vidéo, soit belle vidéo, aujourd'hui qui parle du métier qui paye mieux au Canada. Mais avant tout, je vous dirais merci pour la confiance que vous m'aviez vraiment accordée. Je dirais aussi également merci à ceux qui partagent les vidéos. C'est en tout cas un plaisir de voir que vous voulez aussi que d'autres personnes puissent écouter ce qui se passe ici au Canada. Alors la vidéo ici, comme je l'ai dit, c'est les métiers qui paient mieux au Canada. C'est un métier comme les autres. La fois passée, je vous ai parlé de plomberie, charpenterie, maçonnerie et beaucoup tant d'autres métiers. Aujourd'hui, je vais spécialement avec le métier de charpentier qui paie vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup d'argent mensuellement. Si vraiment vous allez travailler dans un coin un peu un coin rural. Alors, avec des vidéos à l'appui, je vous montre comment le travail se passe, toutes sortes de charpenteries qui se font dans les services. Et vous verrez, en tout cas, regardez la vidéo, vous verrez, vous allez vous retrouver, vous saurez comment le travail se fait avec des machines, toute la machinerie est là, avec toutes les formations. Et le travail ici de charpenterie, ça n'a pas besoin vraiment de beaucoup de formations. C'est seulement des certifications qui vous fera vraiment tant d'argent dans vos poches. Alors, concernant l'argent, parce que je sais que beaucoup de gens attendent le point argent, la monnaie que vous allez vraiment garder dans vos poches. Si vous allez dans les milieux un peu reculés par rapport au centre-ville, mensuellement, c'est facile de vous taper 10 000 $ par mois, facilement, si vous allez dans un milieu rural, puisque il y a une grande demande et ce n'est pas évident que les gens quittent leur famille pour aller travailler dans des milieux ruraux. Alors, le travail comme ça là, on vous gâte, on vous propose beaucoup d'argent, on vous propose des grosses sommes avec des allowances. Qu'on appelle d'argent de poche. Vous travaillez à peu près 12 heures d'état les jours, 6 jours la semaine. Et les réglementations du travail ici au Canada, après 8 heures d'état, ça devient overtime. On vous paye l'heure et demie. Si par exemple vous payez 40 $, dans le coin là, on paye à peu près 40 $ de l'heure. Après 8 heures d'état, le salaire monte à 60 $. Et si vous passez plus de 12 heures d'état, ça devient 80 $ de l'heure. Alors, le travail que je vous parle ici de charpentier, charpenterie, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent si vous allez dans les milieux ruraux. Par exemple, si vous faites 40 heures la semaine, multipliez les 40 heures fois 40, c'est déjà 1600. Et si vous après augmentez les 2 heures d'état de overtime, c'est 60 $. Et puis les jours, et puis vous augmentez 80 $ de double paye. Ça fait 160 plus 120. 160 plus 120, ça devient à peu près 340, plus votre salaire normal. Maintenant, fois 8, imaginez, ça va vous donner combien? Donc, fois 10 pour 2 semaines. Et maintenant, vous le faites par mois. C'est beaucoup, beaucoup d'argent que les gens vraiment n'ont jamais compris qu'il y a un moyen de se taper beaucoup d'argent dans des métiers, que dans des
travail qu'on a toujours appelé des professions comme des bureaucraties. Alors, la vidéo ici, elle n'est pas longue, elle est vraiment moyenne. Restez cochés, regardez ce qui se passe et donnez-moi vos points de vue. Puisque ici, je ne parle que de l'argent. Vous n'avez pas beaucoup, vous n'avez pas besoin de beaucoup, beaucoup d'études. C'est seulement une certification de 2 mois, par exemple. Et vous êtes déjà, c'est good to go. Vous allez vous taper de l'argent, vraiment de l'argent. Mais chaque chose a des conséquences. Dès que vous y allez, on vous paye l'avion gratuitement pour aller travailler dans les Quériran. On vous paye l'avion gratuitement. Le logement, c'est gratuit. La nourriture, c'est gratuit. Donc, l'argent qu'on vous donne, c'est votre argent propre. On vous donne l'argent que vous n'allez même pas utiliser puisque vous êtes logé gratuitement, vous êtes nourri gratuitement, les transports, c'est gratuit. Tout est gratuit, même Internet. Tout est gratuit là-bas. Vous voyez? Donc, il y a des travaux. Il y a beaucoup, beaucoup de travaux que les gens ne connaissent pas, que les gens ne comprennent pas. Mais ça y est là. Ce travail, comme je l'ai dit, il y a aussi beaucoup de travaux dans des coins rurales comme ça. Il y a des plombiers, il y a beaucoup de choses. Mais je me spécialise aujourd'hui de vous parler de charpenterie. Les charpentiers ont beaucoup, beaucoup d'argent dès qu'ils quittent la ville pour aller peut-être à 100 km à l'intérieur de la ville. Le salaire direct, ça monte minimum, ça peut être à 40 $. Et puis les heures extra, on les paye également. Il y a des fois, on les paye double ou bien l'heure et demie. Donc, ce n'est pas un travail de blague, je vous parle de la vérité. Mais ce n'est pas un travail toujours facile, comme je l'ai dit. Il y a des fois, il y a des saisons du froid. Puisque les charpentiers travaillent à l'extérieur, il y aura aussi, quand il fait chaud, c'est tellement chaud. Quand il fait froid, c'est tellement froid. Mais malgré qu'il fait froid, il y a toujours des jaquettes qu'on porte. Il y a le système qui est là. Il y a des systèmes de chauffage. Tout est là. Tout est programmé pour que vous vous sentiez toujours à l'aise. Mais vous allez aussi, si vous êtes marié, vous allez à un moment donné abandonner votre famille pendant 2 semaines. Et on vous fait d'abord 3 semaines, vous y allez. Et une semaine, vous retournez à la maison comme les vacances, une semaine. Et puis, vous allez encore 3 semaines. Après 3 semaines, vous retournez à la maison. Toujours comme ça, toujours comme ça. Mais, au long terme, ça dépend de ce que vous voulez. Ça dépend de votre vision. Ça dépend de ce que vous voulez faire dans la vie. Tu peux parler à ta femme. Tu peux parler à ton partenaire. Vous pouvez planifier. Mais ce n'est pas évident. Il y a des gens qui ne veulent pas quitter leur famille pour de tels travaux. C'est pour cela que les travaux comme ça sont toujours disponibles à tout le monde. Et il n'y a même pas les gens qui y vont. On te dorlote pour y aller. Toi qui travailles pendant 12 heures d'état, on te donne aussi. Chaque matin, je pense, ça dépend d'une compagnie à l'autre. D'autres compagnies, ça te donne 50 dollars chaque matin pour aller travailler. On te donne 50 dollars pour aller travailler. Et puis, on va te payer votre salaire normal de 40 dollars par heure. Il y a d'autres compagnies, on te donne 100 dollars chaque jour, pendant 6 jours, pour aller seulement travailler. L'argent que tu ne peux même pas utiliser puisque tu es logé, tu es nourri gratuitement. Et puis, tu n'as même pas l'état d'utiliser l'argent puisque tu es au travail. Et donc, vous voyez, c'est ça. Je parle de travail, quoi. Alors, chers amis, partagez la vidéo, aimez la vidéo. Ici, c'est de l'argent, je parle de l'argent. Tu peux te taper 10 000 dollars par mois facilement comme ça. Alors, on est là. La prochaine vidéo, elle arrive. Restez toujours branchés. À la prochaine. Bye.
gang. Yeah, I don't know, my feedback's oh, really? Sorry.